J'ai constaté que la porte du four était trop étroite. Donc on va la faire plus large. Ouais, j'ai rajouté 10 cm de chaque côté. Donc comme ça. Voilà. On aura plus d'espace si on veut faire de. Quoi là, papa? Sors dessus. Hein? Tu vois quoi? Tu vois quoi là? Là, c'est, on va faire le torchis. Il faut qu'il arrive jusque là. Il sera épais. Et après, on va enlever le sable dedans. Et on va laisser le torchis ici. Et on va enlever aussi le papier. Et on va laisser ça, comme ça là. Et on va enlever aussi ça. Ça va tenir le site là. Bon. Et on va mettre le torchis juste ici. Pour qu'il tienne. Et après, deux jours, on va laisser passer quelques jours. Et après, on va enlever tout ça et même le sable dedans. Déjà, je vais enlever la longueur de ma main pour le mettre. Et je sais pas combien ça coûte. Ma main est tellement. Là, elle est trop petite. J'ai pas peur. Rassemble la terre avant, ce sera plus facile à faire. Après, si vous avez calé pour piquer en tête, vous allez comprendre, vous pouvez rester tranquille. Alors tu vas voir comment il te fait sortir de là. Prends de l'eau pour moi. Prends de l'eau pour moi. Attends, je t'ai pas dit de mettre. Fais attention à toi. Hein. Je coiffe les deux. J'ai envie ça. Oui.
Mais tu fais tout en B là, regardez ça, on va faire. B. Oh. Ok, c'est bon. Maman, il a un son qui est vite. Donc là, c'est la prochaine étape, ça. Papa est en train de lisser et là, on va enlever le sable là. C'est là qu'on va faire faire des pizzas. Et comme quand des fois on peut voir, on va faire une toiture en haut. On va enlever le sable là pour cuire les pizzas. Eh bien, pour une première, je suis satisfait, maman. Bien. Pour une première, je trouve que c'est bien. Hyper satisfait. On va voir, hein. Faut que la cuisson soit satisfaisante aussi. Hein. Mais il n'y a pas de raison. Là, on fait une petite. On fait une petite œuvre d'art. Et après, on va faire les œuvres d'art à l'intérieur. Ils vont faire du bien. Yes, I. Alors, expérimentation. Attention, ne casse pas la partie rouge. Je vais le Qu'est-ce que les pizzas vont être? Après, c'est un peu dur. C'est un peu dur quoi. Mais tu tires comme ça? Oui. Tu sais que ça va pas tomber? Attends, tu vas te garder. Tu ne touches pas à ça là, hein. C'est pas sec. Regarde ce que tu as déjà fait là. Ah ouais. Donc là on a enlevé les sables et comme là il y en aura le feu, on va ça brûler les papiers et on va que la terre soit propre. Donc là le feu va nettoyer le four. Ok. Allez.
tout ça. Du coup, ça sort pas là. Et ça sort là, je vois pas que ça sort. Mais... ça sort là, c'est parce que j'ai pas mis en conflit la porte. Ok. Yeah man, c'est parti, my friend. Ouais. Et ça boule bien. Je pensais que c'était un favori. Il faut fermer pour que ça boule. Ah oui, je suis content. Là, ça boule, le papier, ça nettoie. C'est bon. Très bien. Ça commence à chauffer. Oui, viens dormir là. C'est super. Ah ouais, maman, tu mets une pizza. Maman. Ah ouais. J'ai allé autour, note. Et ça nettoie. Ouais, ça boule tous les. Eh ben là, ça fait même pas 3 minutes qu'on a mis le feu. Hein. Et c'est pas du gros bois. Donc, je trouve que c'est une affaire réussie. Et les routes, ça vous donne rendez-vous pour. Des pizzas, du pain. Et des sandwichs au feu de bois. Aïe. Vous pouvez faire votre salut. Maman, mais elle filme ça pour voir si, comment ça lui a fini ça. Mais je vois pas. Et j'aime bien le son du feu. Le feu fait un écho. Les flammes. Wow. Alors les garçons, vous êtes satisfaits de votre travail? Hyper satisfaits. Ah ouais. Moi aussi, je suis satisfaite de votre travail. Hein. C'est chaud, hein? Merci, Dudu. Mais oui, tu vois, là, la fumée ressort là. Comme c'est pas fermé, normalement, c'est ici. Hein. Et la fumée ressort là. Et là, je vais faire la porte pour fermer ici, là. Et on a une belle largeur. Hein. Moi, je pensais que c'était trop petit, mais en fait, je pouvais casser un peu les lèvres, là. Et on aura une belle entrée. Wow! Génial! Génial. Eh bien, maman Ruth, merci aussi de m'avoir dit de finir la revue. Hein. Et demain, alors, on essaie de faire un pain? Yes! Ah, pour le petit-déj, tiens. Ah, faut que je me lève tôt comme le boulanger. Hein. Et si on faisait un pain demain matin? On va faire un pain. Pendant que je suis vous d'aime d'eau, on fait ça? Yes. Et on vient tester. Non, okay. Maman, il faut m'attendre quand même. Je vais aller le faire avec vous. Mais quand tu vas te réveiller, le pain sera chaud. Non, je veux d'abord, je vais faire avec vous le pain. Ok. Vous me réveillez. Ok. Vous me tapez un peu fort, comme ça je vais me réveiller. Bon, rendez-vous demain, on va essayer de faire le pain. Hein? Sérieux, on le fait? Mais oui, on fait ça. Ah oui. Ouais. Mais on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut? Bien sûr. Super. Laisse. Moi, j'ai les bonnes dents pour manger. Tu ne le laisses pas. Rendez-vous demain, les routes. Rendez-vous est pris. Je vais déplacer le feu pour que ça boule dans le reste du papier. Ça fume bien. Ah ouais, une chemise. Il y a de la chaleur là. Maman. De nuit. Maman, il faut te réveiller, on va faire le pain. Maman, on a déjà fait le pain. Maman, ah oui. Avec des traits dessus. Tu dépasses à l'air. Pas des pains sucrés. Il y a des pains. Hein? Des pains gros. Ovales. Et il y a des pains. N'hésitez pas à venir manger chez nous. Ouais, toi de bois, c'est bon. Alors là, on va allumer le feu. On va faire chauffer le four. Préchauffer. Avant la cuisson du pain. Que les routes. Donc, ok, je vais mettre ça au fond. Oui, mais c'est bien au fond. Attends. Je vais bien placer le bois et la paille comme ça après. Il n'y aura plus qu'à. Yes.
Faut amener ça. Il y a ceux qui ne ferment pas un devant. Hein. On va fabriquer une petite porte là. Une petite porte de secours. Waouh, là c'est bon. On attend, faut laisser chauffer un peu. Comme ça, quand tu mets le pain, ça va cuire. La chaleur est là. Attends. Je trouve que c'est pas chaud. Je trouve qu'il n'y a pas de chaleur là. Bon. Je sais pas s'il n'y a pas de flamme. Je dois ajouter du bois. Une première là, il y a une maîtrise du feu avant hein, quand même. Hein. Je pense que, ouais, c'est, on va sortir le pain là. Il a bien gonflé, mais il n'est pas doré. Hein. Donc on va tester, hein. C'est une première, on va tester. Et on va goûter pour voir. Et on va goûter pour voir. Mais je pense que, ouais, au niveau du bois, peut-être qu'il faudrait qu'on ait beaucoup plus de bois. Ouais, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de bois. Et la position aussi du foyer, il faut qu'elle soit bien au fond. J'ai mis sur le côté, mais il faut qu'elle soit au fond pour que la chaleur puisse bien prendre tout le dôme, parce que quand elle est sur le côté, elle part et une partie. Donc c'est toute cette analyse là qu'on a faite qui va nous faire avoir le pain parfait. Ok, donc okay, on évolue quoi. Ben oui, on regarde ça. On regarde ça. Donc là, tout le bois est consumé là. Il reste un peu de bois, mais c'est de la cendre, il n'y a plus de flamme. Alors wow. C'est un petit peu chaud. Donc voilà l'aspect de notre pain. Ben ça va, bon. C'est pas mal quand même. C'est hein. Pas mal, hein, il a gonflé. Hein. Hein? Mais en fait, on n'avait pas mis aussi pour le doré normalement. Je crois que c'est des œufs, le oui, jaune d'œuf. Oui, voilà, il y a le jaune d'œuf, mais il y a la chaleur aussi qui doit passer au-dessus pour bien dorer. Ouais, la prochaine fois, il faudra qu'on mette un peu de jaune d'œuf dessus, badigeonné là. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça. Mais c'est pas mal, hein, moi, je trouve. Hein. Oui, il a bien gonflé. Ouais. C'est pas comme ça, il a on bien gonflé. On va goûter pour voir. Ouais, avec de la confiture locale de papaye. Oui, on a fait la confiture de papaye. Ouais. Allez, à nous aille. Ouh, c'est chaud. Alors, l'aspect intérieur déjà. Ouais, c'est bon. Pas mauvais. On peut faire plus, il manque un peu de sel. Là, c'est dur. C'est bon? Tout est bon. Je pense qu'avec la confiture, ça doit être bien meilleur. Hein? Confiture de papaye maison. Oui, au feu de bois. Eh, mais il a vraiment le goût du pain au feu de bois. Alors là? C'est bon, bon hein. Ça suffit là. Goûte ça. Vas-y, goûte, je veux qu'on... Maman, où tu es, tu peux prendre un sandwich? Coupe-moi. Oh là là. Attends, je vais le couper pour toi. Coupe comme ça pour maman. Au milieu, fais attention à tes doigts. Ah ouais, le petit pain rond, c'est bien. Hein? Il est mieux cuit, on dirait, non? Oui, parce qu'il est moins... En fait, la position aussi. Laisse dans l'assiette. Polka.
Tu as goûté papa avec la, la mais confiture? Mais je vais goûter. De la papa chouchou. Non, ça c'est pour maman. Et fais celui-là pour moi. Mets ton pain dans l'assiette. Léo, tu as vu ça? Avec. Merci mon chéri. C'est un petit goût amer. Sucré amer, non? T'aimes pas? Non, je cherche le goût amer que tu dis. Ouais, au fond. C'est très bon. Ah ouais, super, j'ai jamais goûté une confiture comme ça. Eh ben les rousses. Non, c'est pas amer. Hein. C'est pas amer? Bon appétit. Merci. Hein. On va, on pense qu'à faire aux rousses, là, en dégustant tout ça. On va améliorer les choses. C'est et... ce que j'allais dire. Là, voilà. Là, c'est un goût amer quand je goûte seulement le pétard. Et quand vous viendrez, ça sera au point. Ouais. Gérer la cuisson, gérer les recettes. Ah, c'est super bon. Bon. Eh bien, les routes, on continue, hein? Ouais. On lâche pas l'affaire, hein? Jamais. Gros bisous à vous. Gros bisous à vous. Je vous ai épargné ma tête du matin parce que, bon, faut pas vous effrayer quand même. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt pour une nouvelle recette. Ok. C'est trop dur.